Les partis politiques membres de la plateforme CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, étaient ce vendredi 3 janvier 2020 à Daoukro dans le cadre d'une rencontre avec le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents de cette plateforme. Au menu de cette rencontre, la présentation des vœux de nouvel an au président Bédié, l'analyse de la situation sociopolitique du pays et enfin le fonctionnement de la coalition. Après les mots de bienvenue du président Henri Konan Bédié, viendra l'intervention du président de la séance, M. Aka Aïzi, qui a, au nom des autres membres, remis un stylo au président Bédié en guise de cadeau de nouvel an. Le stylo du dialogue, dira-t-il, là où certains hommes politiques utilisent les armes pour conquérir le pouvoir, le président Bédié a toujours privilégié le stylo pour signer des accords. Selon le président Aka Aïzi, la plateforme non idéologique initiée par le président Henri Konan Bédié est aujourd'hui une force politique capable d'accélérer le processus de réconciliation nationale et d'œuvrer pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents de la CDRP, Excellences, l'idée que vous avez eue de créer une plateforme politique non idéologique, une force politique capable d'accélérer le processus de réconciliation nationale, d'œuvrer sans relâche pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui une réalité vivante. Une réalité vivante, en effet, qui donne un réel espoir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour la reprise en main de leur pays. Pour cette idée féconde et pour votre disponibilité à sa réalisation effective, les 17 partis politiques qui composent à ce jour la CDRP, à ma voix, vous disent félicitations et vivement merci. Je vous souhaite la bienvenue à Daoukro. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à Daoukro. Pour le stylo du dialogue, je l'accepte avec plaisir, a dit le président Henri Konan Bédié avant le début des travaux qui a duré plus d'une heure et demie. À la fin des travaux, le président Aka Aïzi a fait le point de la rencontre. Nous avons eu une rencontre ce matin. La rencontre a porté sur 3 points. Le premier point, c'était naturellement présenter nos vœux au président Bédié. Nous avons présenté les vœux, nous avons apporté tout ce que nous pouvions apporter pour donc exprimer notre relation d'attachement avec le président. Ensuite, nous avons eu une séance de travail qui a porté sur l'analyse de la situation socio-économique nationale. Et ensuite, nous avons parlé de notre plateforme. Nous avons apporté des améliorations pour le fonctionnement, pour un fonctionnement plus efficace de notre plateforme.